Darina Al-Joundi et Mohamed Kassimi, le jour où Nina Simone a cessé de chanter. Arrêtez ce courant de malheur! Je ne sais pas pourquoi j'ai crié, mais je devais crier pour ne pas trahir la promesse faite à mon père, ne laisser personne lire le Coran à son enterrement. Mon père est mort le jour où il a compris qu'il n'avait plus d'histoire à me raconter. Je suis devant sa dépouille, il est nu, au milieu de la grande pièce, recouvert d'un simple linceul blanc. Allongé sur le dos, il a les mains croisées sur le sexe. Je le regarde, il a l'air tellement serein. C'est la première fois de ma vie où je le sens en paix. Je ne regrette pas sa mort. Je savais depuis longtemps qu'il allait mourir parce qu'il m'avait tout dit. De la fenêtre ouverte, je vois les maisons de mon village, Arnoun, qu'on appelait Château de Beaufort. Les maisons bombardées fument encore. L'armée israélienne vient juste d'évacuer le sud Liban après 20 ans d'occupation. Je vois les collines alentour. Elles sont noires de monde. Les gens sont venus de Tyr, de Sidon, de Damas, d'Alep, de Beyrouth, d'Amman, assister aux funérailles de mon père. Je lui caresse le visage, il a une peau de bébé, même pas froide. C'est le mois de janvier. Il pleut. Je sens l'odeur de la pluie monter de la terre rouge du sud Liban. Je vois, au loin, les plaines de la Galilée. Je vois, là-haut, la neige qui tombe lentement sur les sommets du mont Hermon. La porte de la chambre s'ouvre, des femmes en noir surgissent. Elles pleurent, elles gémissent, elles se jettent sur mon père, elles lui embrassent le visage, elles lui embrassent les mains, elles lui embrassent les pieds avec une avidité. Je murmure à l'oreille de mon père. « Salopard, tu n'en rates pas une. » Soudain, j'ai entendu une voix étrange qui m'a déchiré le ventre. Un cri insupportable qui m'a fendu le crâne, m'a troué la peau. Quelqu'un était en train de hurler des sourates du Coran. J'ai ouvert la porte de la pièce voisine. Elle était pleine de femmes en noir, elles pleuraient autour d'un radiocassette qui diffusait des prières. Je les ai enjambées, je les ai piétinées, je me suis emparée du radiocassette. J'en ai coupé le son. Les femmes poussaient des cris d'horreur. Ma mère, mes sœurs tentaient de me rattraper. « Arrête, tu es folle, reviens, ce n'est pas le moment !» J'ai couru me réfugier dans la chambre de mon père. J'ai fermé à double tour la lourde porte en chêne. J'ai entendu les hommes hurler. « Espèce de folle, remets le Coran sinon on te tue. Ouvre, salope, ouvre. On ne coupe pas la parole de Dieu. Ouvre, putain, si tu touches au livre de Dieu, tu es morte !» De derrière la porte, je criai à mon tour. « Ce Dieu n'est pas le Dieu de mon père. Il n'a jamais eu de Dieu, mon père. Il m'a fait jurer. Ma fille, fais gaffe à ce que ces chiens ne mettent pas du Coran le jour de ma mort. Ma fille, je t'en prie, je voudrais du jazz à ma mort, et même du hip-hop, mais surtout pas du Coran. Je veux bien lui mettre Nina Simone, Miles Davis, Férouz et même Mireille Mathieu, mais pas de Coran. Vous m'entendez? Je vais lui passer à la place de vos prières le dernier tango à Paris. Il aimait la coupole et le beurre, papa. Il prenait toujours du fleurier de micelle. Vous ne l'enterrerez pas comme ça. Vous ne l'aurez pas. Je ne vous ouvrirai jamais. » J'ai enlevé la cassette du Coran et j'ai mis à la place Save Me de Nina Simone. Les coups redoublaient contre la porte. Moi, je dansais seule face à mon père. Je lui parlais fort, comme si je voulais le réveiller de sa mort. « Heureux? Tu l'as eu, ta Nina Simone, tu l'as eu, ton jazz. Je t'ai épargné le Coran, n'est-ce pas? Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Qui va me protéger contre ces monstres? C'est toi qui me l'as appris. Méfie-toi, ma fille, tous les hommes de ce pays sont des monstres pour les femmes. Ils sont obsédés par les apparences, ils sont ligotés par les coutumes. Ils sont rongés par Dieu, ils sont bouffés par leur mère, ils sont taraudés par le fric, ils passent leur vie à offrir sur un plateau leur cul au bon Dieu, ils ouvrent leurs braguettes comme on arme une mitraillette, ils lâchent leur sexe sur les femmes comme on lâche des pitbulls. Quel chien! Tout à l'heure, une de tes ex-maîtresses a voulu t'embrasser les mains. Je lui ai conseillé de t'embrasser la bite. On ne sait jamais, elle aurait pu te ressusciter. Elle aurait joué Jésus, et toi, Lazare.